Salut à tous, c'est Mémiaou. On se retrouve pour une vidéo spéciale puisqu'il s'agit de la vidéo où je vous montre mes cadeaux de Noël. Alors du coup, on a décidé de tourner cette vidéo comme un compte-rendu vide-grenier puisque bah, comme vous le savez, là ça se raréfie vraiment beaucoup et là ces jours-ci, on n'en a plus du tout de vide-grenier par chez nous, sinon faut qu'on fasse une heure et demie de route, donc c'est voilà, ça marche pas trop. Donc du coup, et bah voilà, donc je vais vous présenter mes cadeaux de Noël, donc ça fait super plaisir, je sais pas si vous ça vous plaît, mais en tout cas certains d'entre vous me l'ont demandé, donc je suis très très contente de le faire. Et dimanche prochain, vu que je pense qu'il n'y en aura pas non plus, on va faire une vidéo compte-rendu des cadeaux de Noël de Saran. Donc voilà ce que je lui ai offert, ce que le papa Noël lui a offert. Voilà, donc ça me fait super plaisir, et bah c'est parti, on va commencer. Alors on va commencer avec une peluche. Alors moi j'adore les peluches. Saran n'aime pas trop, mais vu qu'il sait que j'adore ça, bah du coup il m'a offert une peluche Minecraft. Alors un Oslo tout mignon, il est vraiment trop chou. Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, voilà, j'explique un peu. Voilà, le chat c'est mon animal préféré, donc là je suis vraiment trop contente, un petit chat de Minecraft. Voilà, ça me fait vraiment super plaisir. On continue avec une boîte à mouchoirs à l'effigie de Doctor Who. Alors ça c'est vraiment trop cool, donc je vous la montre un peu en détail. Voilà, from OO to Mémiaou. Donc c'est la maman de Saran qui me l'a faite en fait, qui l'a peinte, qui l'a tout décorée. Elle est vraiment magnifique. Donc pour la petite histoire, en fait ma voiture est bleue, de la couleur un petit peu du Tardis, et vu qu'elle était un peu abîmée, et bah Saran, vu que vous savez certains, c'est son métier de, voilà, de coller du vinyle, de faire ce genre de choses, il me l'a décoré un peu comme le Tardis. Enfin voilà, je mettrai peut-être une photo un jour, je vous expliquerai tout ça. Et du coup j'ai une boîte à mouchoirs dedans qui est vraiment moche, et donc du coup ils se sont mis d'accord pour me faire une boîte à mouchoirs, sauf qu'elle est tellement belle que je ne la mettrai pas dans ma voiture. Voilà, donc on va continuer avec, bah ça tenez, alors ça c'est trop cool, un jeu de société. Donc comme vous le savez, on adore les jeux de société, et le problème c'est que les jeux de société en général c'est plus drôle à 3, à 4, à plusieurs. Et donc du coup c'est embêtant, jouer au Monopoly à 2, vous savez, c'est vraiment, c'est pas toujours super. Donc du coup, et bah Saran m'a offert un jeu de société qui se joue à 2, exclusivement à 2. Donc c'est un jeu assez complexe, où il y a deux camps, enfin voilà... je vais vous mettre le dos, vous mettrez pause si vous avez envie de lire. C'est vraiment un jeu super top, c'est un jeu français hein. Ouais. On fait une vidéo dessus. Bah ouais, carrément. Donc si vous avez envie qu'on fasse une vidéo dessus, c'est vraiment super cool. Moi ça me fait trop plaisir. Un jeu de société pour deux, ça c'est trop cool. Bah alors là on va continuer avec. Donc comme vous le savez, ceux qui suivent mes vidéos assidûment, j'ai toujours des gros soucis pour mettre sous pochette mes cartes Pokémon. Donc, j'ai eu des pochettes ultra pro. Voilà, vous voyez la petite pastille. Des pochettes ultra pro. Donc, 100 pochettes, 200 pochettes, 300, 400, 500, 600 et 700. 800, je savais pas, je pensais qu'on avait que 700. 800 pochettes ultra pro. Voilà, je ne vous mens pas. Donc, voilà, je pense que pour le moment, bah, ça va être... suffisant hein, pour protéger les cartes, ça c'est trop cool. Du coup je me suis empressée de mettre sous mes cartes trop belles sous pochette, celles qui n'en avaient pas encore. Donc ça c'est trop cool. Alors des cadeaux vraiment vraiment exceptionnels. Je sais pas par quoi continuer. Les cartes, alors un joli lot de cartes, donc des magnifiques cartes. Faut pas que je fasse d'ombre, là je suis cadrée comment, là ça va, on me voit. Alors voilà, une magnifique Entei. Donc je vous les passe assez rapidement parce que je sais qu'il y en a que ça gonfle un petit peu les cartes Pokémon. Moi je les trouve magnifiques, vraiment, elles sont splendides, elles sont toutes vraiment en état, mais parfait quoi. Elles sont trop bêtes. Belles. Les Arceus secrètes, deux magnifiques Arceus secrètes, un Palkia niveau X, magnifique, un Magirève, donc j'adore Feuforev, Saran ne le savait pas, mais Feuforev est un de mes Pokémon vraiment préférés parce que je l'utilisais beaucoup, j'ai rushé avec ce Pokémon pour attraper les chiens légendaires parce qu'il partait, il s'enfuyait direct et du coup il fallait un Pokémon qui puisse empêcher les Pokémon de s'enfuir. Donc voilà, j'adore
Fofo-Rêve et Magirêve. Et voilà, un petit Filali, donc celui-là, ah, je suis trop trop contente, un Filali niveau X, donc j'avais eu pour mon anniversaire un Givrali niveau X, et du coup, là, ou mon anniversaire ou Noël anniversaire. Anniversaire. Et donc du coup, voici un Filali niveau X, il est vraiment juste, waouh, il est splendide, voilà, il est trop trop beau. Et un Mentali, alors celui-là j'en rêvais, hein. Je pensais pas l'avoir un jour, il est trop 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 beau, un Mentali de Aquapolis. Voilà, parfaitement neuve également. Donc je suis trop 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 contente, elles sont trop trop belles. Et donc pour continuer un peu dans les cartes Pokémon, donc j'avais eu un paquet cadeau en forme de booster Pokémon. Ah chouette, un booster, en plus c'était le bon poids et tout, à peu près la bonne épaisseur, c'est cool. Il dit non, il y en a 4. C'est bizarre, 4 boosters Pokémon, ça m'a l'air assez fin. Et donc je vous montre le dos des boosters. Je sais pas si ça vous parle un petit peu à certains. Donc en fait ce sont 4 boosters de la série Pop 3, voilà, avec les illustrations de Aqualie, Voltali et Pyroli. Donc ce sont des boosters ultra rares quand même, on en trouve vraiment plus beaucoup. À l'intérieur il y a donc ces 3 Pokémon-ci, mais on peut les trouver à l'unité pas hors de prix, comme me disait Saran. Donc la carte qui vaut vraiment le coup dedans, l'ultra rare qui est à l'intérieur, c'est un OO. Ex. Ex. Oui. Mais du coup, je ne les ouvrirai pas. Parce que, voilà, parce qu'il y a... Peut-être un jour, un truc de fou, si on a 4 millions d'abonnés, la fille qui rêve. Le truc impossible, il n'y a pas 4. Enfin, voilà. Donc, voilà. Ils sont magnifiques. Oui, il y a 2 cartes, c'est des boosters de 2 cartes. Et ils sont vraiment, voilà, j'ai failli m'évanouir quand je les ai vus, ils sont magnifiques, je suis trop contente. Tu dis que c'est des boosters de tournoi peut-être, non ? Oui, c'est des boosters donc, qui étaient distribués uniquement en tournoi, donc pour les joueurs pro. Voilà, ils sont très très rares, on peut pas les acheter en magasin, c'était vraiment des boosters 5, distribués. 5, ouais c'est 5. Donc ceux qui connaissent la carte ultra rare Mentali Star et Noctali Star, qui valent 500€ les deux, vous pouvez aller voir sur eBay, jeter un petit coup d'œil, ils étaient distribués dans les boosters pop, mais 5, pas ceux-là c'est 3, ils étaient distribués dans les boosters pop 5 avec l'illustration de OO dessus. Donc voilà, c'est des boosters qui coûtent 30€ l'unité, donc ceux-là je sais pas du tout le prix parce que c'est Noël, mais je suis super contente parce que... admettons qu'ils soient pas excessivement chers parce que je connais pas le prix, on ne les trouve pas, tout simplement. Voilà, il y en a pas en vente, à moins que vous ayez des fournisseurs de ouf. On va continuer avec un cadeau de mon petit frère. Alors ça me fait super plaisir parce que moi, sanguine que je suis, j'avais ce classeur là, mais je l'ai découpé, voilà, pour le coller sur un autre classeur, n'importe quoi. Donc là, le voici en état impeccable. Enfin, voilà, il est entier. Il est très très bon état pour l'époque quand même, avec des lamine cards à l'intérieur. Mon frère en a beaucoup. Il avait plus de la moitié de la collection. Et puis deux petites cartes Crax, donc un Elidèle je crois, et un Rayquaza. Donc c'est super cool, donc je vous montre pas tout, je vous feuillette un petit peu le machin. Donc voilà, c'est trop trop cool, elles sont vraiment en super état ces cartes. Elles sont quasiment pareillées, elles sont vraiment top. Donc je vais avoir des doubles avec les miennes. Donc ceux que ça intéresse, si vous voulez me laisser un petit message, si ça vous tente. Voilà, ça fait super plaisir, c'est trop trop cool. Merci frérot. Ça c'est cool, ça fait super plaisir. Je vais avancer un peu sinon la vidéo va durer 3 ans et demi. Alors, je suis fan de la série Doctor Who. Et on m'a offert la saison 7... de Doctor Who, ça me fait trop 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 plaisir, j'avance dans la série, peut-être que j'arriverai au nouveau docteur un séjour, on ne sait pas, j'avance vraiment avec un gros décalage, hein. Donc je suis encore à Matt Smith, mais nous sommes à Matt Smith, parce que Sarah ne regarde vraiment en même temps que moi, on est arrivé au même niveau, et donc voilà, il est magnifique, ces coffrets là sont vraiment juste splendides. Voilà, j'adore, j'ai très très hâte de le regarder. Et puis, du coup, qui va avec, donc, le film du 50e, c'est ça, hein, le 50e anniversaire, voilà, le jour du docteur. C'est... Le jour du docteur et l'heure du docteur, il y a deux films. C'est un épisode spécial. Trop cool. Donc, je ne sais pas s'il vient avant ou après la saison 7,
On va se renseigner, voilà, pour voir dans l'ordre. Et ça, c'est trop cool parce qu'il y a David Tennant qui revient. C'est trop, trop, trop bien. Ça, apparemment, c'est... Voilà, on dira pas. On va pas spoiler. Et ça, ça me fait trop, trop plaisir. C'est magnifique. Voilà, c'est vraiment la série que... C'est vraiment ma série préférée. Donc, je suis ravie de pouvoir regarder la suite. On continue dans les séries. Avec une série que j'aime beaucoup également. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes puisque ce sont des longs métrages. Il s'agit de la série Sherlock. Ah oui. Il s'agit de la série Sherlock. Donc de... alors là je suis nulle par contre. C'est la série de qui? C'est une série de Moffat. Ouais, c'est Moffat qui... De Moffat, voilà. Voilà, avec Benedict Cumberbatch. Ouais, Cumberbatch. Et puis, lui, c'est... Je ne sais plus son nom. Voilà. Mais j'adore cet acteur. Voilà, c'est Watson. Et l'acteur, il est trop cool. Attends, je vais dire l'acteur. Donc, ah oui. Donc, voilà, le bouquin est juste magnifique. Il raconte... Martin Freeman. Martin Freeman, voilà. Il raconte plein d'anecdotes sur la série. Donc, c'est une série qui, pour le moment, contient 9 épisodes. Ouais, c'est à 3... Bah non, il y a 4 saisons maintenant, je crois. Ouais, ah ouais, la quatrième est sortie. Ouais, il y a 3 épisodes par saison. Voilà, il y a 3 épisodes par saison, mais ce sont des longs métrages, c'est vraiment tourné comme ouais, des longs métrages. Il y a un film 45 minutes. Sort, là. Ah ouais, et un film. Et voilà, ils sont juste topissimes. Alors moi, j'aime pas du tout la série avec, comment il s'appelle, l'acteur qui joue Iron Man. Je suis nulle en nom d'acteur. Il s'appelle Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Voilà, donc moi, j'aime pas cette série-là. C'est un film. Ce film, ah c'est un film, c'est deux des films. Ouais, c'est deux films. Finalement, je confonds. Donc j'aime pas ces films et j'aime pas la série Elementary, voilà. Et j'adore la série, voilà, avec Benedict Cumberbatch. Voilà. J'adore. On continue avec une autre série, mais là c'est vraiment un truc de malade. Le carton était le paquet cadeau était extrêmement lourd. Et il s'agit de la série Stargate SG-1, l'intégrale avec les 3 longs métrages, c'est à l'endroit ? Oui, avec les 3 longs métrages. Je sais pas si je vais l'ouvrir parce que j'avais pas réussi. Je vais l'ouvrir au pire. Et voilà. Tu montres autre chose. Voilà, j'adore cette série, c'est vraiment trop trop cool et je l'avais regardé voilà, des petits épisodes par-ci par-là et là c'est vraiment topissime. Je riche pas. Ah merci. Voilà, il y a un appel d'air de malade dans ce truc là. Et donc là, pouvoir regarder tout dans l'ordre, c'est trop trop cool. Donc voilà, l'intégrale de la série et les 3 courts-métrages, c'est trop 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 top. Long métrage. J'ai du mal, excusez-moi. Ouais, je suis trop contente, c'est pour ça. Et voilà, c'est trop trop génial. Eh bien, on va continuer, il reste 3 cadeaux. Voilà, c'était vraiment un gros 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 Noël, je suis vraiment extrêmement contente. Donc ça, c'est voilà, c'est le moment de Saran qui l'a fabriqué aussi. Donc c'est magnifique, je vous montre tout ça en bas. Donc c'est avec du plastique fou, je sais pas si vous connaissez, on dessine dessus et puis après ça rétrécit et ça s'épaissit. Alors voilà, c'est vraiment magnifique. Donc une petite Pokéball, je les prends au hasard du coup, c'est rigolo. Noctali, voilà, je les trouve vraiment magnifiques, c'est des objets uniques du coup. Hein, donc il y a un petit trou à chaque fois, donc soit pour les mettre en pendentif, soit pour... voilà, moi je les regarde longtemps mais je les passe un petit peu plus rapidement. Voltali. Du coup, je vais les laisser. Ah, donc, oui. Givrali qui est vraiment magnifique. Oh, je suis maladroite, comme vous le savez. Voilà. Pyroli, donc ça, c'est vraiment un de mes préférés. Il est vraiment trop, trop beau. Trop, 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 trop beau. Un petit canard tichot. Donc, celui-là, c'est pour Saran. Ah, j'aurais dû te les garder pour ta vidéo. Non, bah, c'est pas grave. C'était dans ton cadeau. Ouais. Un Evoli. Donc, il y a vraiment toutes les évolutions. Ça, c'est trop, trop cool. Ils sont vraiment magnifiques. Aquali. Hop. Psychoquack, excusez-moi. Oh, tu connais même pas mes Pokémon. Oh, mais si, mais il y en a trop dans ma tête. Ils se promènent, ils sautent dans ma tête. Nymphali. Ils sont vraiment magnifiques. N'hésitez pas à me dire votre préféré dans toutes ces petits, dans toutes ces petites breloques. Je sais pas comment appeler ça. Philali, que j'avais envie d'appeler Nymphali. Voilà, j'ai des soucis avec son nom. Et Mentali, voilà, donc ils sont vraiment magnifiques. Donc moi je pense que mes préférés, ça va être les 4 là. Donc ils sont vraiment tous magnifiques, j'arrive vraiment pas à me décider, mais ces 4 là sont vraiment très 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 beaux. Le plus beau c'est celui-là. Non, c'est celui-là.
Je sais celui-là, pas. Il est trop cool. J'adore le psychoquake. Ouais, le psychoquake est vraiment très très chouette. Donc voilà, donc ça c'est trop cool. Je les laisse de côté là, comme ça. Ils gênent pas de toute façon. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Donc je sais pas, porte-clés ou voilà, je sais pas trop. Ensuite, donc je vous montre le carton. Voilà, carton. Je sais pas comment ils font pour adapter les livreurs, leurs colis à la taille exacte non, de ce qu'il y a à l'intérieur. Livreurs, ils font ça. Non, les vendeurs. Bah ouais, ils ont voilà. L'habitude, je pense. Ils, ouais, la taille exacte, donc c'est trop cool, ils doivent avoir plein de cartons, plein de tailles différentes. Donc, il contient, comme vous pouvez le deviner, des boosters scellés, donc sous blister. Et donc, ça en vert, voilà. Ouais, c'est normal, hein, je pouvais pas le tirer à l'endroit, ça aurait pas été normal. Voilà, des boosters de la série Earth Gold Soul Silver. Donc ça, c'est Earth Gold Soul Silver de base. Donc j'ai les 4 illustrations à chaque fois. Il y en a combien, je ne sais plus, il y en a plein. Je crois qu'il y en a 10, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 20, mon oui, cher non, ami. C'est 10 de chaque. J'aime plus que j'offre. Il sait plus ce qu'il offre. Donc on vous a montré Lugia. Il y a Pharamp. Ils sont vraiment trop trop beaux. Donc c'est dans cette dans ces séries là où il y a les légendes et les primes. Donc je ne sais plus laquelle. Donc ça doit être les primes qu'il y a dedans. Et la série Earth Gold Soul Silver Déchaînement. Donc avec un magnifique Entei. Ouais. Voilà, un de mes les chiens légendaires, je les adore tous de toute façon. Suicune. Ou Suissune. Moi je disais Suissune mais c'est moche. Nostanfer. Hop. Et puis le petit Raikou. Le seul chien. Électrique, non Ouais, électrique. Le chien que j'avais capturé. Le Entei, j'ai jamais réussi. Donc voilà. C'est. Voilà, 20 c'est boosters. 20 boosters. C'est top. Earth Gold Soul Silver, c'est. Certains le savent, ma version préférée. Earth Gold, quoi. Mais du coup, là. J'adore. Tous les Pokémon qui sont à l'intérieur, ils sont vraiment splendides. C'est la deuxième génération. Et j'adore. Je suis ultra fan. Donc je suis vraiment très, très, très contente. Ça me fait trop plaisir. Du coup, on arrive à la fin. Je vous montre le dernier cadeau. C'est une boîte très, très lourde. Voilà, une grosse, grosse boîte également. Et à l'intérieur, donc je vais essayer de vous le montrer comme ça, de vous le déballer en... Hop. Et... Ça se casse la figure. Vas-tu y arriver? Donc... Non, je vais y arriver. Attends, je te le tiens. Ouais, donc voilà. On distingue des cartes. On voit un peu. Hein. On a l'impression que c'est des cartes Pokémon. Ça ressemble à des cartes Pokémon. Mais ce sont des cartes de visite. Donc je vais vous la montrer en bas. Ça va être plus simple. D'abord, non? Ouais, le dos d'abord. Donc voilà, donc ce sont des cartes de visite. Donc ça, surprise totale. De toute façon, aucun des cadeaux, je ne le savais. En fait, c'est simple. Voilà, ce sont tous des surprises. Donc une carte de visite, Mémiaou. Donc avec un magnifique Noctali. Donc je vous laisse contempler, mettre pause si vous voulez voir plus de détails. Donc voilà, il y a ma chaîne YouTube. On va le montrer en haut parce que pour ouais, c'est détails, plus simple. Je pense que les détails vont pas être... Je sais pas s'il va faire la mise au point. Ouais. Donc voilà, il y a le nom de ma chaîne. Je sais pas si vous avez vu, Sarah a demandé à ce que ma chaîne s'appelle youtube.com/memiaou au lieu de u machin truc. Donc c'est encore plus simple à trouver, c'est trop trop cool. Et voilà, elle est magnifique, elle est juste trop top. Donc celle-ci, je l'ai mise sous pochette ultra pro parce qu'il ira dans ma collection. Elle est tellement belle, j'arrête pas de les regarder, elles sont tellement belles. Donc celle-ci, je les distribuerai en vide-grenier quand je vendrai quelque chose ouais, un échanges, jour. Voilà, les échanges, voilà. Si je vous vois en vrai un jour, voilà. On mettra dans un magasin de jeux vidéo, tout ça. Ouais, magasin de jeux vidéo. Ça sert à rien que je répète parce qu'on t'entend, n'empêche. On m'entend ? Bah, je sais pas si on m'entend. Bonjour. C'est Saran. Donc voilà, c'est trop cool. Donc il y en a 1000. Ouais. C'est vraiment un truc de malade. Avant de les écouler toutes, il va se passer du temps. Mais voilà, elles sont vraiment trop trop belles. Je les remonte parce qu'elles sont trop trop cool. Donc voilà, la vidéo va se chever ici. Je suis très très contente d'avoir fait cette vidéo, de vous avoir fait partager mes cadeaux de Noël. Laissez-moi un commentaire dans les commentaires pour me dire ce que vous avez eu. Voilà, pour me dire les super cadeaux que vous avez eu. Ça me fera plaisir de lire tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que les cartes de visite sont trop belles alors faut s'abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.
Et puis à la prochaine.